Hey, yo les gars, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien, et aujourd'hui on se retrouve enfin pour parler de Rocket. Non, pas celui-là non plus. Ça fait plusieurs semaines que je vous bassine avec cet archétype parce que je suis vraiment tombé amoureux de cet archétype, et puis tout simplement de la toolbox qu'il représente, et on va en parler aujourd'hui. J'ai étudié de nombreuses possibilités de jouer l'archétype, et la version la plus viable et la plus stable, et surtout la plus forte, c'est la version avec les Guard Dragons. Cependant, si vous cherchez une version totalement archétype, je vous invite à aller voir les vidéos de Doc Wombo Combo qui a proposé des vidéos très intéressantes et qui permettent de jouer totalement le deck Rocket. Je vais séparer cette vidéo en plusieurs petites parties qui viendront se suivre dans cette vidéo, tout simplement pour essayer de vous expliquer un maximum de choses, de vous expliquer comment fonctionne le deck pour ceux qui sont intéressés et même pour ceux qui vont potentiellement jouer contre. Je vais vous présenter donc deux starters différents pour ce deck là, pour voir comment le faire démarrer, etc. La base, le deck complet, la base Rocket qui est autre que le starter, ça va être vraiment deux parties différentes vu qu'il y a deux starters, les combos principaux et une visualisation du board final, du moins ce qu'on essaye d'atteindre, et pour terminer, une démonstration de gameplay avec les deux starters différents afin que vous puissiez vous faire une idée. Voilà, toutes les bases sont posées, vous avez toutes les informations concernant cette vidéo. Je vais essayer d'être le plus complet possible et du coup ça risque de faire que la vidéo dure assez longtemps. Donc si je l'oublie, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On commence donc avec les deux starters. Donc les deux starters, c'est quoi? C'est un starter draconnet et un starter oviraptor. On va commencer par le starter draconnet. Donc c'est un starter qui coûte plus ou moins 130 euros pour 8 cartes, mais ça lance vraiment le deck, ça lance vraiment la loupe, et si ça passe, c'est très très fort. Qu'on va jouer 3 draconnets. 3 draconnets. Draconnet, il dit quoi? Il dit tout simplement que s'il est invoqué normalement, on peut aller invoquer spécialement cette carte depuis notre deck, tout simplement. Et du coup, ça fait 5 et on va pouvoir aller chercher Ib qui est juste ici. Ib qui elle-même va chercher une carte magique qui réinvoque un dragon et qui permet de déplacer. Donc c'est très très fort et en fait ça lance vraiment complètement la loupe du deck. Donc 3 draconnets et un serpent galactique pour faire simple. Pour faire 5, pardon, et puis pour faire simple également. 3 Signet Manning, alors oui, c'est des proxys, parce que malheureusement, je voulais vraiment vous présenter les différents starters et puis les différentes possibilités de ce deck-là, donc j'ai imprimé les proxys pour pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne. Malheureusement, j'ai pas l'argent pour me payer 3 Signet Manning aujourd'hui, d'autant plus que je l'utilise pas dans ce deck-là. Donc 3 Signet Manning. Signet Manning, c'est quoi? C'est tout simplement, tu défausses une carte en activant celle-ci, et tu peux aller chercher tout simplement un monstre Cyber. Le seul Cyber, ce qu'on va jouer, ça sera Draconé, donc c'est très très fort. Et pourquoi ici, il y a un Dark Worm? Tout simplement parce que c'est très intéressant de réussir à combiner Signet Manning, on défausse Dark Worm, on va chercher Draconé à la main, effet de Dark Worm, on peut le réinvoquer directement sur le terrain, donc ça accélère le deck, c'est très très fort. On joue un Dark Worm dans le main deck qui est juste ici, et on joue également hop, des Absorouteurs, je vous expliquerai l'effet tout à l'heure, mais voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de jouer Signet Manning, parce qu'on a des cartes qui sont cool à foolish, donc bon, en soi c'est pas un souci, et puis voilà. Tout simplement, ça c'est le premier starter, donc Draconé, Serpent Galactique, Signet Manning pour aller chercher Draconé si on l'a pas. C'est intéressant Signet Manning parce que même si on a déjà lancé la loupe, ça peut être intéressant de justement, on vient de draw une carte qui ne nous sert pas, on va pouvoir la foolish pour aller chercher autre chose, et parfois c'est même une carte qui est plus intéressante dans le cimetière que dans la main ou sur le terrain, donc ça peut être très très intéressant. Le deuxième starter, il est un peu moins contraignant selon moi, parce qu'il n'y a pas ce coup de défausse, et surtout, il n'y a pas ce coup de Signet Manning qui dit qu'ici, on ne peut l'utiliser qu'une seule fois par tour. Pourquoi? Parce qu'ici, on va jouer avec une loupe, enfin un starter plutôt, dragon, dinosaure, pardon, avec 3 Oviraptor. Oviraptor, il dit quoi? Il dit que quand il est invoqué, on peut envoyer au cimetière un dinosaure de notre deck. On va envoyer Carbonédon, et Carbonédon, il dit que s'il est dans le cimetière, on peut le bannir pour invoquer un monstre du... Hop, mon macro s'il te plaît, tac. Du deck directement, donc ça fait 5, et on va chercher Ib directement, comme tout à l'heure, donc ça c'est très très intéressant. Pourquoi j'aime beaucoup cette loupe-là? Tout simplement parce qu'ici on a recherche de fossiles, recherche de fossiles n'a pas de coût, donc nous permet d'aller chercher Oviraptor très très rapidement, et surtout on peut le faire autant de fois qu'on veut, donc moi je l'utilise souvent pour Brain, de type j'en ai deux dans la main, où j'ai déjà un Oviraptor et j'ai recherche de fossiles, j'ai pas envie de me faire H mon Oviraptor, parce que sinon ça me brique et ça me bloque ma loupe tout simplement, je vais faire recherche, il va faire H, et du coup je sais qu'il a plus de negate, ou du moins il a plus de H, donc... C'est intéressant, si j'en ai deux, je vais faire la première, il peut la negate, je peux en faire une deuxième par la suite, ça pose pas de problème. Là où, si j'avais fait un Signet Manning, alors après j'ai toujours payé le cost, donc au pire j'ai ça dans le cimetière, je peux le réinvoquer, on peut faire des trucs, mais du coup je peux pas en invoquer deux si j'en ai deux, en activer deux si j'en ai deux dans la main, pardon. Donc ça peut être un petit peu plus contraignant, mais voilà, c'est les deux starters du deck. Moi personnellement j'ai une préférence pour celui-ci, mais j'ai longtemps joué celui-ci, et
finalement, les deux se valent totalement. Vraiment, l'un, il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. C'est vraiment un style de jeu et une façon de penser le jeu, le start du deck directement, tout simplement. Ok, donc ça, c'est les starts. Comme vous avez pu voir, il y a 8 cartes dans chaque paquet. Donc, c'est vraiment les cartes qui vont changer en fonction... c'est vraiment la seule partie qui va changer dans ce deck-là. Le reste, qui est juste ici, donc c'est le main deck, on va dire... Eh bien, c'est tout simplement une base de 32 cartes que je vais vous présenter. Et donc, du coup, à ça vient de s'ajouter soit l'Oviraptor, soit le Starter Draconé. Et ça permet de faire tourner le deck, tout simplement. Donc, on va jouer 3 Tracer Rocket, beaucoup trop fort Tracer Rocket, pour plein de choses, notamment parce qu'elle a un effet rapide qui est très, très intéressant. En fait, elle va pouvoir, une fois par tour, détruire une carte sur le terrain et invoquer un Rocket. Donc, c'est très, très fort quand, par exemple, l'adversaire va faire une carte qui cible un de tes monstres, tu vas pouvoir le détruire, l'adversaire ne pourra pas l'activer et toi tu auras quand même un Rocket qui va s'invoquer, donc c'est très très fort. Elle peut se détruire elle-même, elle peut détruire en chaîne, par exemple je sais pas, j'ai déjà Tracer sur le terrain, je fais lancement rapide, je fais chaîne avec l'effet de Tracer, donc je vais détruire lancement rapide va m'invoquer un Rocket, Tracer va m'invoquer un Rocket, donc je me retrouve avec 3 Rockets sur le terrain. Pour un seul coup, tout simplement, donc c'est très très fort. Il y a une contrepartie, c'est tout simplement que si tu actives l'effet de Tracer Rocket, tu peux plus invoquer de l'extra deck hors des monstres ténèbres, donc ça peut être contraignant pour Saryoja et pour quelques autres cartes, mais voilà, faut pas le faire n'importe quand, et dans tous les cas, c'est un peu voilà, une toolbox, on peut s'en servir un peu tout le temps pour sortir des situations un petit peu problématiques. 3 Dreadsaw Rotor, donc j'en parlais tout à l'heure un petit peu avec le Cyanet Mining. C'est intéressant de le défausser parce que lorsqu'il est défaussé, tu peux tout simplement ajouter un Rocket de ton deck à ta main. C'est très très fort. Et deuxième effet, je crois que c'est même d'ailleurs le deuxième effet. Donc du coup, premier effet, tu peux l'invoquer spé, donc une fois par tour seulement, si tu as déjà un Rocket sur le terrain. Il est niveau 7, donc ça c'est très très fort. Et c'est surtout parce que on va avoir besoin de faire du synchro 8 assez facilement, assez rapidement surtout. Et on a un synthoniseur 1 qui justement, lui, hop, on va en parler, je vais en parler tout de suite, c'est comme ça. Je ne ferai pas de doublon. Justement, lui, lorsqu'il est invoqué, tu peux simplement reborn un dragon de minimum niveau 5 du cimetière. Donc, tu vas reborn ça, et ça fait 8, et tu peux faire ton Boreal Lord. Donc, c'est très très fort, honnêtement. Pour moi, j'ai vu certains le jouer x1 ou x2. Moi, x3, je le trouve vraiment trop cool. Au pire, tu le défausses et ça va activer son effet. Au mieux, tu peux l'invoquer SP, tu peux t'en servir pour faire du Harpagain ou pour faire Saryuja. Voilà, c'est trop trop fort. Et donc, du coup, voilà, x3, ça me paraît obligatoire. Rocket synchronique, donc je vais même vous donner l'effet. Le Metal Rocket, elle, lorsqu'elle est détruite, tu détruis toutes les cartes dans la colonne où elle est détruite. Donc, ça va être très très fort, par exemple, en chaîne avec certains effets. Alors, c'est uniquement lorsque. Alors, pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Si elle est ciblée par un Link, et là, justement, on a des Links qui vont venir cibler le Charge Borel, par exemple, ça détruit tout ce qu'il y a en face. Ça, c'est très très fort. Et si elle est détruite, ça, c'est l'effet commun de tous les Rockets, de ces 4 Rockets-là, pas les autres que je vous ai présentés. S'ils sont détruits, à la fin du tour, tu réinvoques un Rocket de ton deck. Donc, ça, c'est très très fort. Donc, lui, détruit en colonne. Lui, il va bannir une carte s'il est ciblé par un Link. Il va bannir une carte de l'extra deck. Donc, c'est trop fort. Si l'adversaire a un extra deck qui tourne autour d'une seule carte, tu la bannis qu'il puisse la sortir, il est très très ennuyé. Lui qui va tout simplement envoyer un monstre du terrain au cimetière sans cibler, donc c'est très très fort contre beaucoup de monstres qui peuvent pas être ciblés. Et lui, tu vas détruire tout simplement une carte magie piège sur le terrain, donc voilà, c'est trop trop fort. Ce qui fait que en fonction de ce qui se passe, si j'ai besoin d'enlever un monstre de l'extra deck, je vais me servir de lui, tu vas chercher ce dont tu as besoin avec, on va aller voir juste après, et sinon au pire avec l'effet de Tracer. C'est vraiment très pratique, les roquettes pour ça sont très très forts, donc voilà, c'est la partie roquette du deck. On va avoir 2 haches, pas de place pour en mettre plus malheureusement, parce que c'est un deck combo, donc on n'a pas trop de place pour des petits écarts, mais 2 haches c'est quand même obligatoire. Un Darkworm que je joue en main deck, et du coup c'est pour ça qu'ici, dans cette base là, il y en a un deuxième, parce que défausse de Cyanet, mais un seul ça suffit parce que on va vouloir le défausser, on va pouvoir le foolish très rapidement, l'invoquer SP et ça nous fait toujours un monstre en plus sur le terrain, on peut s'en servir pour faire plein de combos. Tempest, tu peux l'invoquer de ton cimetière, donc c'est pareil, on va essayer de l'envoyer au cimetière en bannissant 2 monstres dragons de ton terrain ou la main ou le terrain et la main, je sais plus, j'ai un doute, tac, main ou cimetière, pardon, donc c'est pas le terrain, mais voilà, c'est très très fort, surtout le cimetière, on va vraiment envoyer plein de monstres au fur et à mesure, notamment avec les loops de combo de liens, donc en fait, tu peux le réinvoquer très très facilement et ça fait un ton à 2004 et c'est pareil, il a 7 étoiles, donc c'est très très fort. Le métal sombre, lui, c'est vraiment le boss du deck, c'est lui qui fait tout, il fait le café, il fait le ménage et il fait l'entretien de ta voiture. Vraiment, déjà,
on va aller le chercher nous plutôt avec LP ou Harpaga en fonction de comment, où est-ce qu'il est. Mais on peut également, si tu l'as en main, c'est même pas une brique parce que tu peux l'invoquer en bannissant un dragon. Donc typiquement, tu te débrouilles pour envoyer ça au cimetière, tu l'invoques, tu peux le bannir, invoquer ça et tu peux réinvoquer un monstre de ta main ou de ton cimetière. Donc c'est très très fort, surtout que c'est pas limité. Donc tu vas pouvoir, on va le voir dans la loupe tout à l'heure, mais tu vas pouvoir l'invoquer une première fois avec LP. Tu vas pouvoir faire son effet et réinvoquer un monstre. Tu vas aller chercher Pisty juste après. Tu peux le rechercher. Tu peux aller rechercher un monstre. Donc c'est vraiment très très fort. Et on va jouer Dragard du Calice du Monde. Alors elle c'est un entrap, mais honnêtement j'utilise très rarement comme entrap. Tu peux tout simplement la défausser et envoyer et annuler un effet qui cible une carte liée. Je crois que c'est ça. Et sinon lorsqu'elle est dans le cimetière, donc elle va être invoquée par l'effet de Ib lorsqu'elle quitte le terrain. Donc si on l'a en main, ça peut s'en servir comme entrap, pourquoi pas. Et si elle n'est pas en main, si elle est dans le deck, elle va être invoquée automatiquement avec ça. Donc son premier effet, c'est que ça nous fait un monstre en plus sur le terrain. Enfin, l'effet de Ib, ça fait un monstre en plus sur le terrain. Et lorsqu'elle est au cimetière, tu peux la bannir et tu vas pouvoir invoquer soit le Sentinelle Cloche du Feu, soit le Serpent Galactique. Donc c'est très très fort, ça permet de tout simplement d'avoir une invoque toujours. Qui se fait gratuitement et surtout que t'es pas obligé de la claquer dès que t'en as, enfin dès qu'elle est disponible, tu peux la claquer quand tu en as besoin plus tard et du coup bah c'est toujours utile. Honnêtement, tu peux le laisser dans le cimetière et si tu te retrouves pas bien, tu l'actives et hop tu remontes la game. On va le remettre dans le bon sens. Je sais même pas combien j'ai de monstres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 monstres. Ok, 16, sachant que, évidemment, viennent s'ajouter à ça les starters dont on a parlé tout à l'heure. Ok, les cartes magiques. 3 lancements rapides, beaucoup trop forts. Exactement la même chose que je vous disais tout à l'heure avec recherche archéologique. Tout simplement parce que tu peux le faire autant de fois que tu veux. Donc si tu en as 3 en main, ou même si tu veux brain l'adversaire pour qu'il claque sa hache, tu peux faire un lancement rapide. S'il l'annule, tu peux refaire lancement rapide. Ou au pire, si jamais tu as besoin de commencer ton start, on va partir avec Oviraptor par exemple, et que tu n'as pas besoin d'avoir un rocket sur le terrain, tu vas faire ça, il va se dire « Oh, c'est trop bien, il a besoin de ça », hop, il va l'annuler, tu vas pouvoir faire ça et faire tranquillement ta loupe Oviraptor juste derrière. Donc c'est trop fort, tu peux le faire. Si tu l'as deux fois en main, c'est pas un problème parce que tu peux la réactiver autant de fois que tu veux. Et des roquettes sur le terrain, on en a besoin tout le temps, donc en soi, c'est pas un souci. 3 appelés par la tombe, alors juste... Vraiment, cette rareté, elle est tellement belle, on est d'accord. Franchement, moi je trouve que sur cette carte-là, ça donne tellement bien. Appeler par la tombe, obligatoire, tout simplement, parce que c'est un deck combo. Donc si on se fait close un combo ou negate un effet qui lance quelque chose, on est très 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 ennuyé. Donc 3 appelés par la tombe, c'est obligatoire. Lancement rapide, que je vais jouer x2. Alors ça peut paraître bizarre parce que alors je joue, je sais pas, je dois jouer une dizaine de roquettes, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins, je sais pas en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 roquettes. Et du coup, certains vont me dire, bah ouais, mais ça serait peut-être mieux de l'avoir que x1 ou x3. 2, je trouve que c'est une bonne alternative. Cette carte-là, elle dit quoi? C'est une carte magie de terrain. Elle dit que si tu as, tu peux l'activer et invoquer spécialement 2 roquettes de ta main. C'est gratos, c'est un maximum de roquettes, donc si tu n'en as qu'un seul, tu peux quand même l'activer. Et c'est pas mal aussi pour remonter une game, parce que, admettons, l'adversaire est clean tout ton board. Si tu draws ça, tu l'actives et tu vas pouvoir invoquer autant de roquettes de ton cimetière que l'adversaire a de monstres sur le terrain. Donc c'est très très fort. Et souvent, une fois que tu as activé son effet, tu vas pouvoir utiliser l'effet de traceur, tu la détruis et tu réinvoques un roquette. Donc voilà, dans tous les cas, c'est très très fort. Elle sera beaucoup plus utile et peut-être que je la jouerai que x1 à ce moment-là lorsque la Link Rocket, donc je vous mets une petite image juste ici, sera sortie. La Link Rocket, c'est un Link qui doit utiliser qu'un seul monstre max niveau 4. Lorsqu'elle est invoquée, tu peux aller chercher ça directement. Donc j'aurai moins besoin de l'avoir x2, mais à voir. Pour l'instant, je sais pas, mais en tout cas, x2 dans ce deck-là, c'est très très fort. Sanctuaire du Dragon. Ça fait vraiment tout. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on a besoin d'envoyer des monstres au cimetière. Donc si tu l'as en main, c'est pas une brique. Le truc, c'est que tu peux pas l'avoir deux fois en main. C'est un petit peu gênant, c'est pour ça que je joue que x2. Tu peux t'en servir pour envoyer, on va essayer de faire un petit point sur les monstres à envoyer, Absorouter, pour avoir un rocket en main, c'est pas un souci. Tu peux t'en servir pour envoyer ça, le réinvoquer, pour envoyer ça qui par la suite doit pouvoir bannir pour le réinvoquer, et même après n'importe quoi pour pouvoir le reborn avec d'autres effets. Et tu peux également t'en servir pour envoyer à la fois Dragard et un monstre normal, si toutefois tu t'es vraiment pas bien. C'est vraiment, ce deck-là fait vraiment beaucoup de choses différentes. T'envoies lui d'abord, effet de sanctuaire, tu peux en envoyer un deuxième, ils sont tous les deux dans le cimetière, tu peux activer cet effet-là et invoquer ça dans une zone link. Donc c'est vraiment très fort, honnêtement, c'est très très fort. Et le fait de pouvoir foolish deux à la fois, c'est vraiment très très pratique. Ok. Ensuite, on a les deux World Legacy. Lui, il dit que tu peux réinvoquer dans un monstre de ton cimetière dans une zone pointée.
ça c'est très très fort. Et lui, il dit que tu peux l'activer, reborn un monstre dragon de max niveau 4 de ton cimetière. Et deuxième effet, alors sachant que le premier effet ne se fait qu'à l'activation, le deuxième effet se fait une fois par tour, bien tu peux simplement déplacer un monstre, donc même un Link qui est dans une zone Link, tu vas pouvoir le déplacer dans la zone main. Par contre, tu peux pas déplacer dans la zone Link, enfin, dans la zone extra plutôt. Mais voilà, certains jouent ça x2, certains jouent ça x2 et ça x1, ou certains jouent pas du tout ça. Moi, je les joue qu'une fois chacun. Pourquoi ? Parce que si je les ai en main, par exemple, si j'ai ça en main et que je le jouais x2, et bien, aller passer par Ib, qui est juste ici, tac. Qui Ib, une fois qu'elle est invoquée, va aller chercher une carte World Legacy dans le deck, et ben du coup c'est contraignant. Alors que le fait de l'avoir une fois de chaque, même si j'ai ça dans la main, et ben c'est pas grave, je vais chercher ça, et si j'ai ça, c'est pas grave, je vais chercher ça. Donc c'est vraiment très très fort. Les deux sont vraiment, ça fait partie de la loupe du deck, c'est trop fort. Et tu t'en sers tout le temps, vraiment c'est la carte que tu dois aller chercher. Et si l'adversaire te negate ça par exemple, te negate l'effet de Ib avec H, parce qu'il a pas claqué sa H avant, ça peut te mettre mal, même si tu peux quand même facilement remonter, mais voilà, c'est bien trop pratique, surtout le fait de pouvoir déplacer les links, c'est trop fort. Je dis trop fort depuis tout à l'heure, hein, je crois, oui, c'est pas... C'est d'habitude, vous me dites que je dis cool tout le temps, alors c'est pas très très grave. Le petit Monster Reborn, pareil, petite rareté prismatique, me pète avec mes raretés qui coûtent que dalle en plus, mais vraiment, je les trouve trop jolies. La tin box Sarco dorée, cette rareté-là, elle nous a mis trop bien, hein. Un sacrifice inutile pour aller dans la suite de ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis un petit miroir du dragon. Pourquoi ? Parce qu'on joue un monstre fusion qui est juste ici, qui est très très fort, qui fait partie du deck de structure. Et celui-là est moins contraignant parce que tu vas pouvoir utiliser des monstres dans le cimetière. Et comme je disais juste avant, tu vas pouvoir envoyer plein de monstres au cimetière. Et avec les loupes, tu vas forcément avoir ton cimetière rempli. Donc le fait de pouvoir bannir du cimetière, ça te gêne même pas tant que ça. Et en fonction de quand tu l'as, en fonction de ton utilité, tu vas pouvoir te servir tout simplement du monstre fusion qui est très très fort et qui du coup ne t'aura presque rien coûté si ce n'est des monstres dans ton cimetière qui au pire tu pourras toujours réinvoquer avec Pisty si toutefois vraiment c'était une contrainte, mais voilà. Ok, donc je vous ai présenté le main deck, je vous ai présenté le 2 starter, donc je vais passer à l'extra deck. Je vous en ai un petit peu parlé quand même déjà à travers la vidéo. Donc Pisty, Harpagien et LP. Donc LP, donc lui c'est deux dragons et E2 c'est deux dragons, un dragon de max niveau 4. Dans l'ordre, on va souvent sortir plutôt LP d'abord, qui va invoquer spécialement un monstre dragon de ton deck. Et la plupart du temps, sauf si on l'a déjà en main, on va tout simplement aller chercher cette carte-là, parce que du coup, elle peut réinvoquer, etc. Sachant qu'on a forcément utilisé un dragon pour faire LP, donc tu réinvoques le dragon qui a été utilisé. Et puis, tu vas pouvoir, généralement, on va aller faire ça déjà très très rapidement. Pisty, c'est la même chose, sauf que elle, c'est de la main ou du deck. C'est ça, c'est main ou deck. Tac, 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 tac. Oui, c'est ça, c'est main ou deck. Elle, c'est cimetière ou monstre banni. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'on peut même bannir des monstres. On va les récupérer, c'est pas un souci. Les deux effets, c'est qu'une seule fois par tour. Et par contre, pour activer les effets, il faut que ça soit une zone qui soit pointée par deux cartes. Je vous parlerai un petit peu du placement tout à l'heure. Et le petit Harpagien, donc lui, c'est deux monstres dragons. Donc, quel que soit le niveau. Donc, on peut même utiliser, par exemple, Saryuja, si vraiment on n'a plus besoin pour faire Harpagien. Et lui, il va invoquer un monstre de l'extra deck en ignorant ses conditions d'invocation. Donc, ça, c'est très très fort. Je sais même pas si ça ignore les conditions d'invocation, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça invoque un monstre dans l'extra deck. Voilà, ça pose pas de questions spéciales, donc ça permet vraiment de sortir de très très gros trucs. Alors on avait besoin d'un lien, enfin on a besoin, j'ai besoin d'un lien qui utilise deux monstres et qui pointe de cette façon là. Il y a plein de personnes qui utilisent des cartes différentes. Il y a le Romulus qui est utilisé, il y a le lien Psy, il y a également le lien, je sais pas comment elle s'appelle, c'est la Guide des Enfers en lien, j'ai un nom. Moi j'utilise celui-là parce que c'est un monstre normal, parce qu'il a pas de condition d'invocation et parce que dans tous les cas j'ai juste besoin qu'il pointe de la façon que je lui demande. Donc il va très très bien et surtout il coûte rien. Enfin voilà, on le trouve très facilement, c'est une commune. Hein. Donc voilà, je me dis que peut-être que dans certaines situations, le fait qu'il n'ait pas d'effet, ça peut être intéressant. Je pense à la Xyz Baguska, quelque chose comme ça, là, qui... Alors, ça passe en position de défense, sur ça, on s'en fout. Mais voilà, ça peut être ennuyant, donc c'est cette carte-là que j'utilise. Le booster pour pointer les dragons, donc lui, il lui faut deux roquettes, pour pointer les roquettes, pardon, deux roquettes, et on va pouvoir utiliser un effet qui va buff de 500 un monstre sur le terrain. Et du coup, on va souvent pointer les roquettes pour utiliser leur effet pour pouvoir détruire dans la colonne, bannir de l'extra deck, etc. Triple explosion. Alors lui, c'est situationnel. Je ne sors pas tout le temps, mais c'est pareil. Donc il a une petite negate pendant la damage step. Je crois que c'est ça. C'est ça.
C'est pendant la damage type, il peut annuler un effet. C'est un lien 3, donc on peut s'en servir pour faire des liens 4. Et c'est 2 plus monstre. Et par contre, il pointe pas d'une façon très pratique. Mais voilà, c'est utile de l'avoir. Tu le sors pas tout le temps, mais c'est toujours pratique de l'avoir parce que tu peux que t'en servir. Le sourire héraltique, donc ça c'est trop trop fort honnêtement. C'est 2 dragons, il pointe correctement. On va pas s'en servir au début de la loupe, plutôt à la fin, parce que son effet ennuie beaucoup l'adversaire, mine de rien. Son effet, c'est quoi? C'est que tu peux tout simplement, c'est un effet rapide, tu peux sacrifier un monstre sur le terrain, donc généralement tu vas la sacrifier elle, et renvoyer une carte de l'adversaire de son terrain à sa main. Donc généralement, moi je vais le faire sur la normale de l'adversaire, parce que tu joues contre SS, tu fais ça sur Ray, il est pas bien, honnêtement. Tu joues en match mirror, le gars invoque ça, je fais effet, je le renvoie à la main, et il a plus rien sur le terrain, et il peut pas faire effet, enfin c'est très contraignant pour lui. Et si elle est sacrifiée, tu peux invoquer un monstre dragon de ton deck, celui que tu veux, il aura juste celui 0 d'attaque, 0 de défense, donc tu vas l'invoquer en position de défense, mais ça, c'est très pratique, tu vas aller chercher n'importe quoi, et souvent je vais aller chercher Tracer, parce que je vais pouvoir m'en servir par la suite, mais c'est beaucoup trop fort. Saryuja, très connue Saryuja, aujourd'hui elle est quand même beaucoup utilisée, et d'ailleurs elle va être rééditée très bientôt. C'est un Link 4 qui nécessite 2 plus monsters, donc on peut s'en servir avec des Link. L'intérêt c'est quand même de l'utiliser avec 4, pourquoi? Parce que si tu l'utilises avec 4, elle va te faire draw 4, et elle va tout simplement te permettre d'aller choisir une des 4 cartes, et les 3 autres tu les remets dans ton deck. Donc c'est beaucoup trop fort, honnêtement. Le deuxième effet, c'est que justement tu draw 4, tu choisis ce que tu veux. L'intérêt, ça va, si t'as pas une bonne main ou c'est déjà claqué tes ressources, de choisir un dragon, ou en fonction de ce que tu veux, mais une carte, un monstre que tu peux invoquer. Parce que son deuxième effet, s'il est invoqué avec plus de 3 monstres, tu peux invoquer spécialement un monstre de ta main. Donc ça fait encore un monstre sur le terrain, c'est très fort. Le Charge Borel, lui c'est pareil, on va pouvoir l'utiliser pour activer les effets des roquettes puisqu'il pointe. Alors on va faire perdre 500 d'attaque, mais est-ce que c'est pas cool, entre guillemets, de faire perdre 500 d'attaque pour utiliser l'effet et puis pour détruire plusieurs cartes, pour renvoyer un monstre ou pour X raisons? Et puis surtout, il pique, deuxième effet, il va pouvoir piquer le monstre de l'adversaire sans cibler. Donc contre plein de monstres, c'est très fort, et puis c'est un ton à 4-3000. L'épée Borel que j'ai enfin, encore une fois merci à toi, c'est un abonné qui m'a offert cette carte là, je vous mets le lien juste ici de la vidéo où je le reçois, tout simplement. Épée Borel, j'explique pas, ça tape très fort, ça tape plein de fois, ça fait des dégâts dans tous les cas, donc on peut se servir de ces flèches pour plein de choses. Le Zero Boros, donc c'est un Link 4, ça fait beaucoup de Link 4 mine de rien dans ce deck, mais on invoque tellement de trucs sur le terrain que en soi c'est pas un souci. Le Zero Boros, lui il va tout simplement, lorsque tu invoques quelque chose dans une zone pointée, je vais m'en servir en cas d'urgence entre guillemets, mais il va ban tout ce qu'il y a sur ses bannes ou détruire, j'ai un doute, mais je crois que c'est ban. Bannissez toutes les cartes sur le terrain, donc c'est très fort, ça va pas dans le cimetière, donc si tu as des effets, si l'adversaire a des cartes d'effet qui s'activent dans le cimetière, elles sont bannies. Et lui surtout, une fois qu'il est à la fin, il revient sur le terrain et on va aller le positionner, hop, juste ici, ce qui fait que tu pointes les deux zones de l'extra deck, et lui, l'adversaire, du coup, s'il a besoin de remonter avec son extra deck, systématiquement, ça va réactiver l'effet de Zero Boros, et du coup, il va être bloqué pendant très très longtemps. Et surtout, souvent, ça gagne, parce que ça se fait gagner, parce qu'en plus de ça, il gagne 200 d'attaque pour chaque carte bannie, donc à chaque fois, ça buff son attaque, donc c'est super fort. Le Charge Borel, alors lui c'est vraiment, c'est un monstre dont on va se servir à la fin, puisqu'on va s'en servir pour ses negates. Il y a 3000 d'attaque de base, lorsqu'il est invoqué tu peux aller chercher un Link dans ton cimetière, l'équiper à ce monstre là, donc souvent en fait on va passer volontairement par Saryuja, on va l'envoyer au cimetière pour faire un autre monstre, on va se servir par exemple pour faire Harpagin, et on va l'utiliser avec l'effet de Borelode, donc ce qui fait que Borelode déjà va passer à 4004 d'attaque, et il aura 4 annulations, donc une par tour. C'est fort, c'est même très très fort, et ça fait partie des cartes, t'as un ton qui annule tout, n'importe quoi, une fois par tour, et qui a 4004, c'est toujours bon à prendre, c'est pas pour rien qu'il coûte 40€, j'ai de la chance, je l'ai acheté lorsqu'il était plus ou moins aux alentours des 20€, donc c'est plutôt cool. Ib, j'en ai parlé tout à l'heure, 5-5-5, si elle est invoquée par synchro, tu vas chercher les World Legacy que je vous ai montré tout à l'heure, les World... C'est pas World Legacy, comment ça s'appelle? C'est World... Toujours un doute. Si c'est World Legacy, je suis teubé. Enfin, des cartes héritage du monde. Et si elle envoie les cimetières, tu peux reborn. C'est pareil, tu peux reborn... Enfin, tu peux invoquer du deck, pardon, cette carte-là. Et donc, je vous expliquais un petit peu le combo tout à l'heure. C'est très pratique. En secret art, comme ça, elle est très très belle. Et puis, voilà. Le rouge bouillant, lui, on va s'en servir pour... on va s'en servir tout simplement... Enfin, on va pas l'invoquer... ou du moins rarement, ça peut arriver qu'on l'invoque, mais c'est rare, on va l'invoquer avec Harpagin, et du coup, lui, une fois par tour, il annule les effets d'une carte sur le terrain, donc ton adversaire
Tu rentres en battle phase, ton adversaire active force miroir, effet de bouillant, t'annules la force miroir. C'est trop fort, personne ne joue force miroir, je suis d'accord, mais c'est quand même très très fort parce que ça marche avec tout du moment que c'est une carte face recto sur le terrain. Et le dernier, le furieux charge Borel, eh bien lui, tout simplement, tu peux, un effet rapide, détruire une carte que tu contrôles et une carte sur le terrain de l'adversaire. Donc souvent, tu vas aller détruire cette carte-là ou n'importe quoi. Par exemple, tu vas aller chercher un Rocket juste histoire d'avoir une ressource sur le terrain. Tu vas pouvoir utiliser l'effet de charge Borel, détruire une carte. Enfin voilà, c'est de furieux charge Borel, c'est très très fort. Et lorsqu'il est dans le cimetière, eh bien tu peux le bannir pour réinvoquer un monstre lien ténèbres. Voilà, c'est, je sais pas, admettons, typiquement, on a un petit board comme ça, par exemple, l'adversaire te fait trou noir, je sais pas, pourquoi pas trou noir, les deux vont au cimetière, effet de lui, tu le bannis, effet de lui, tu le réinvoques, voilà quoi, c'est quand même pas négligeable, honnêtement. Et voilà, bah écoutez, je vous ai fait un peu le tour du deck, j'ai essayé de le présenter de façon assez complète. Donc le deck, juste pour vous donner une idée, ce starter là coûte 130€, peut-être que je vous l'ai déjà dit mais je préfère vous le redire. Celui-là coûte environ 70€, l'extra deck est plus ou moins à 100€, voilà, c'est grosso modo ça. Et le deck également doit être à une petite centaine d'euros parce que bah, les haches ça va très très vite, ça c'est pareil en fonction de la rareté, ça monte vite, les appeler par la tombe. Ça coûte une petite valeur, ça a un petit prix, le reste coûte pas grand chose. Mais voilà, ce que je vous ai pas encore dit, c'est tout simplement en pourcentage les cartes qu'on utilise du deck de structure, puisque bah, quand même, pour Craft 7, il y a plus ou moins 50% de cartes qui sont utilisées dans le deck de structure, notamment dans l'extra deck. Cette carte-là fait partie du deck de structure. Celle-là aussi, ça aussi, et ça aussi. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sur 15, c'est quand même pas mal. Sur un extra deck à 100€, ben, ça soulage, hein, mine de rien. Et après, dans le deck, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il doit y avoir un Monster Reborn. Bon, on va dire 20, j'ai un doute sur le Monster Reborn ou le Foolish, un des deux, je sais pas, au pire 19, mais voilà, ça fait plus ou moins 50%, donc c'est pas négligeable, mine de rien. Évidemment, il y a plein de cartes à rajouter, ça fait un deck qui est assez cher, si tu rajoutes le side deck, bah, ça fait un deck encore plus cher, mais c'est un deck qui tourne très très bien, qui passe de très gros deck, s'il est bien joué, si on joue premier, c'est vrai que c'est important, mais voilà, on a fait le point sur tout ça. Voilà, je vous ai dit que je vous montrerai un petit peu le board. L'idée, c'est d'arriver à un board similaire à celui-ci. Donc, cette carte-là qui va renvoyer la normale ou une carte vraiment ennuyante à la main. Celle-là qui va annuler une carte face recto sur le terrain. Ça, c'est une negate de n'importe où. Donc, ça fait déjà trois choses à passer. Et vu qu'on est passé par Saryuja juste avant, et si on a eu un petit peu de chance, on va aller topper une petite hache. Donc, on va pouvoir hache un draw de sa part. On va pouvoir aller renvoyer une normale et annuler deux cartes. Déjà, quand tu passes bah, 4 negates, mine de rien, c'est très contraignant. Ça peut être mieux. On peut, en fonction de la situation, avoir bah, potentiellement un furieux. Alors, je le mets ici parce que en fonction des zones, enfin, je vous montrerai sur le gameplay juste après, on a les zones qui bougent beaucoup. Donc, c'est vraiment purement un exemple. Mais si ça se trouve, il serait plutôt ici. Ça change pas grand-chose. Et du coup, lui, en plus, peut détruire une carte en plus. C'est vraiment le board optimal à 200%. Une fois que tu passes ça, généralement, il va finir le tour avec pas grand-chose sur le terrain. Et bien, tu vas pouvoir aller chercher de très grosses cartes. Je me rends compte qu'ici, normalement, il doit y avoir ma tête. Donc, je l'enlèverai sûrement au montage ou je la mettrai de l'autre côté peut-être. Mais voilà, c'est l'objectif d'avoir ce board-là, tout simplement. Voilà, vous savez comment démarrer la loupe War Dragon, vous savez comment marchent les combos plus ou moins et quel board on attend jusqu'à la fin. On va changer de décor, on va se retrouver sur Yu-Gi-Oh! Pro et je vais vous montrer deux plays que je vais essayer de commenter en fonction de comment ça se passe. Tout simplement pour vous montrer le starter Draconé et le starter Oviraptor, pour vous montrer un petit peu les deux et que vous fassiez votre propre avis. Donc ça c'est un départ classique, je vais tenter une recherche de fossiles juste pour voir s'il a tout simplement un H, donc il n'en a pas, donc la loupe se lance tranquillement, je passe par Yves, je vais chercher mon Dragard, je suis un peu bête parce que du coup je passe par un Link 3, c'était pas très malin de ma part mais au final ça change pas grand chose à la loupe et comme ça vous voyez deux choses différentes. On passe par Saryuja. Chaîne avec Absorbeur pour récupérer un monstre et du coup chaîne qui me sert tout simplement à juste après à Reborn avec Saryuja, donc ça c'est très très fort. Du coup évidemment je ressors le rouge sombre dragon Red Eye sombre très facilement et puis on termine avec un board avec 3 negates. J'ai été stupide, j'ai pas posé mon appelé par la tombe et juste après la personne abandonne.
Ok, donc là on tente un petit Signet Mining malgré le fait que j'ai draconné, juste pour voir si je peux passer, sachant que dans tous les cas, j'ai quand même appelé par la tombe, donc ça c'est toujours bon. Je passe par Yves très rapidement, je vais chercher mon Dragard, je fais la lien 2, du coup après je lance la loupe avec le... les deux petits monstres qui me permettent de sortir Episty, et puis après bon on est parti avec le dragon sombre. On va très très vite sur Saryuja qui me permet de draw 4, et puis bon après une fois, honnêtement une fois que Saryuja est passé, le seul risque qu'on a c'est de prendre Nibiru qui est très contraignant, et encore j'aurai lancement rapide donc ça pourrait le faire, mais on termine avec un board full negate, et juste après il va tenter quelques petites choses avec un kaiju qui peut être très contraignant, mais je le renvoie sa normale et j'annule sa magie, et du coup il décide d'abandonner puisque il ne peut sûrement plus rien faire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous mets un petit sondage juste en haut. Dites-moi ce que vous préférez, le starter Draconé ou le starter Oviraptor. Personnellement, j'ai plus de facilité à jouer avec Oviraptor, mais comme on a pu le voir dans la vidéo, les deux ont leurs forces et leurs faiblesses. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis curieux de savoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire au plus complet, donc elle sera sûrement un petit peu longue. J'espère que ça vous gênera pas. J'ai fait une vidéo de façon à vous présenter, d'une part le deck, un petit peu la présentation des cartes et pourquoi cette carte-là, les différentes combos et les variantes possibles avec ce jeu-là. J'en ai sûrement déjà parlé. Mais là, à mon avis, la Link 1 Rocket va sûrement beaucoup accélérer le deck qui est déjà très rapide et très complet. Donc pour moi, Rocket a du futur dans la méta. Encore une fois, je suis pas expert analyste de deck méta, mais pour moi, à mon avis, ça ne peut que l'accélérer et le rendre encore plus fort. Ce deck est un deck au format totalement viable dans la méta. D'ailleurs, on a déjà vu des decks similaires top dans les premiers tournois de la saison, si c'est pas une preuve ça. Si vous avez des améliorations concernant ce deck, n'hésitez pas à me les soumettre dans les commentaires. Je serais content de savoir ce que vous en pensez. Et s'il y a des joueurs peut-être de Rocket ou de peut-être des joueurs de Guardragon tout court, de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous joueriez vous à la place? Je serais content de compléter mon deck grâce à vous. N'hésitez pas à lâcher le gros pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner. On a passé les 2500, c'est un truc de dingue. Prenez soin de vous, faites un nombre de duels et collection de cartes. Et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao!